Nous avons jugé nécessaire aussi de faire une déclinaison entre moyen d'achat et moyen d'achat. Et nous permettons d'apprécier de tout biais d'évolution démontrée comme de l'entreprise. Ensuite, il y a une question de répartir. Sur la situation patrimoniale des agents. Et d'après les statistiques, nous sommes à 4 célibataires, 5 mariés et 1 divorcé. N'est-ce pas? Sur la deuxième colonne, nous avons des fréquences. Et sur la troisième colonne, nous avons le droit de réflexion. C'est de mettre la situation patrimoniale. Et c'est important pour le gestionnaire, dans la mesure où si le taux de féminisation, je vais m'exprimer ainsi, on va se focaliser derrière sur la situation matrimoniale de l'agent. Pour un gestionnaire, c'est quand même difficile d'optimiser l'utilisation.